Bonjour, nous faisons l'ouverture de la Route du Rhum avec l'orchestre Émile. J'espère que vous allez passer un petit moment agréable en notre compagnie et ben, soyez les bienvenus. Va quitter ta vie, une ombre pleure et tu
Bref, divers variétés, grand homme. D'accord. Ici, c'est local. C'est fait par moi-même. 100% maison. D'accord. Je vous remercie énormément. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous préparez ici? Alors, ici, on propose Lion Spirit, un spice, un rhum aux épices à base de rhum agricole et d'épices naturelles. Voilà, il titre à 35 degrés, on a quelque chose de soif, d'assez explosif en bouche. Je vous invite à venir le découvrir. On le propose en dégustation, c'est un alcool parfait, que ce soit pour du festif, pour l'alimentation, même dans la cuisine, pour la pâtisserie, c'est une petite merveille. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de venir le découvrir avec nous sur la route du Rhum, sur la place de la Victoire. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble ici? Eh bien, nous faisons l'expo pour la route du Rhum. Nous vous présentons les bijoux faits artisanalement et de la sublimation sur verre, sur vêtements, sur t-shirts.
t-shirts, tout ça, donc comme vous voyez. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la route du Rhum, mais au-delà de la route du Rhum, si on veut vous joindre, j'ai vu que vous avez un enseigne. Eh bien, c'est Cécile Louchop, donc sur Instagram ou Facebook. D'accord, très bien, merci à tout à l'heure. C'est Belle Femme Lingerie. Belle Femme Lingerie. On propose de la lingerie menstruelle lavable, donc des sous-vêtements pour femmes qui sont absorbants pour les règles et les fuites urinaires. C'est fait ici, Oui, il y a une partie qui est faite en Guadeloupe, effectivement. Et du coup, l'idée, c'est que ça puisse être réutilisable pendant 5 ans, donc c'est éco-responsable. Ça permet de faire beaucoup d'économies sur le long terme. Et surtout, c'est quand même très joli, comme vous pouvez le voir. On a pas mal de choix. Et c'est adapté à tout type de femmes, puisqu'on va des flux hémorragiques aux flux abondants, à l'échelle. Dernière annonce, voilà. La police désormais... Alors, j'ai vu que vous n'avez pas d'enseigne. Oui, j'en ai une, mais il y a trop de vent. D'accord. Donc, alors, du coup, j'ai dû la retirer. Si on veut vous retrouver, vous êtes où? Alors, on est sur Instagram. Vous tapez belle femme en créole, -8 lingerie. Et on a aussi un site internet où vous pouvez commander et vous faire livrer à domicile. D'accord, merci. À l'organisation, le CPA a donc officiellement coupé le nœud. Mesdames et messieurs, c'est avec une émotion non feinte, non dissimulée, que nous allons procéder à l'ouverture officielle de notre village aux mille saveurs. Bienvenue à Pointe-à-Pitre. Bravo. Ça c'est pour le PF, qui nous dit pas où on a les terres et qui achète pour nous qu'on ne peut pas acheter. De ce lieu à l'appartement, notamment le PR. À l'adjointe Cécile Boucault. Aux adjoints qui sont là et qui nous ont soutenus dans cette opération. Au petit conseil du conseil municipal. À la doyenne du conseil municipal. À la doyenne du conseil municipal, madame Madly Gargar. Merci. Alors, au communiquant, à celui qui fait que vous savez tout ce qui se passe au sein du conseil. Officiellement, c'est fort. La maîtresse de cérémonie. On s'excuse pour notre décalage indépendant de notre volonté. Pour celles et ceux qui déjà la fidèle des on remercie le conseil des sages, à mon ami Rosemonde. La municipalité de Gourberry avec nous, je porterai ça à Gourberry en disant que Pointe à Pitre, on vient du maire avec plaisir. Super, ramenez ça à mon ami aussi de la couleur des morts. Voilà, très bien. Ça c'est pour moi. Voilà, un souvenir de ce moment. Voilà. Merci. Un petit mot sur le village et la bénéfice qu'il y a sur Pointe-à-Pitre. Alors je tiens à dire que ce village a pu prendre naissance grâce à la coopération des associations qui ont joué le jeu, nos partenaires, notamment l'EPF, certains bailleurs de Pointe-à-Pitre, la SPHLM et d'autres qui ont contribué à la réalisation de ce village, car chacun connaît la situation financière de Pointe-à-Pitre. Si ce n'était le travail collaboratif de nos forces vives, nos associations, nos acteurs économiques et tous ceux qui ont joué le jeu pour que ça prenne naissance, nous n'aurions pas pu. Mais comme Pointe-à-Pitre, c'est la destination, chacun sait que c'est Saint-Malo-Guadeloupe, mais personne n'ignore que c'est à Pointe-à-Pitre que la course arrive.
Et au vu de nos traditions d'hospitalité, nous nous devions de nous parer de nos plus beaux habits, de nos meilleurs atouts, pour que nous soyons à la hauteur de l'événement qui, je le rappelle, est un événement de dimension internationale et qui va accueillir des milliers de visiteurs, des centaines de journalistes. Donc Pointe-à-Pitre ne pouvait pas laisser la place de la victoire sans aucune animation. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait avec nos forces, mais nous l'avons fait. Et j'en suis heureux. Bravo. Merci, monsieur. Animer, dynamiser pour que nous soyons à la hauteur de l'événement. Et je crois qu'aujourd'hui, nous marquons un gros pas, un gros point dans la célébration de la Route du Rhum. Quel message fort que vous voulez faire passer à travers de ce village? Eh bien, à travers ce village qui se situe face à la Renaissance, qui est en train de renaître, eh bien, c'est la Renaissance de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre is back avec ça. Économique. Eh bien, vous imaginez bien qu'en créant ce pôle d'attraction, nous allons attirer le plus de gens au centre-ville. Nous n'allons pas juste rester et passifs. Nous allons permettre que des gens aient envie de venir en Pointe-à-Pitre quand cette place sera animée. Il y aura toutes les saveurs, il y aura des producteurs, il y aura des artisans. Donc sur ce village lui-même, il y aura des revenus, il y aura des ressources qui vont être créées. Et au-delà, le simple fait de venir en Pointe-à-Pitre, d'acheter encore des pistaches, un sorbet, un beau kit, eh bien, Pointe-à-Pitre vie et Pointe-à-Pitre riz. Voilà. Merci. Ok, merci. Ok, les gars. À plus. À plus.